6ème édition, marathon, Var, Provence, Verte, foutez-moi le bordel, s'il vous plaît! Ouais! Bienvenue à Brignoles pour un nouveau reportage sur le marathon Var Provence Verte. Et pour vous présenter l'événement, je laisse la parole à Samuel Bonneau. Allez, on se retrouve à la veille du départ du marathon Var Provence Verte. C'est une belle édition puisque la 6ème édition va recueillir plus de 2000 participants. On a arrêté les inscriptions hier soir à 2024 parce qu'on est en 2024, donc on avait objectif de 2000. On a un peu plus parce qu'il y en a qui nous ont un peu grignoté des dossards, mais en gros, voilà, c'est une belle édition. Marathon en relais, marathon en running bike, ça c'est la distance majeure. Après, on a un semi-marathon qui part de Carcès, un 10 km qui part de Vins, c'est une nouveauté cette année. Et une randonnée, c'est aussi une nouveauté parce qu'on avait des personnes qui voulaient accompagner des coureurs et qui voulaient s'occuper aussi pendant la course. Donc voilà, nouveauté cette année, le 10 km et la randonnée. Toutes les équipes sont encore en train de bien préparer pour que demain ce soit une belle fête. Et puis ce jardin demain sera tout animé avec beaucoup d'animation, beaucoup d'orchestre sur le parcours. Écoutez, c'est un petit bijou le parcours, on est dans la nature. Et j'espère qu'avec nous, vous viendrez peut-être une prochaine fois, mais en tout cas, vous allez vous régaler sur les images. Je remercie tous les partenaires, la collectivité d'abord, la Provence Verte, l'agglomération de la Provence Verte, le conseil départemental du Var, nos principaux partenaires, et puis après tous les partenaires privés, donc je ne vais pas citer toute la liste, mais on en a énormément, on mettra un visuel sur la fin, qui nous soutiennent depuis la première édition, et grâce à eux, le marathon peut se développer. 220-230 bénévoles sur le parcours, donc c'est une grosse machine le marathon de la Provence Verte. Et on les remercie parce que depuis 3 jours, là, ça s'active dans tous les sens. Et bien sûr, on remercie tous les coureurs qui nous font confiance et on vous souhaite à tous une belle course. Et l'aventure commence maintenant avec le marathon au centre d'art contemporain de Châteauvert. Et pour venir jusqu'ici, les coureurs ont pris des bus mis en place par l'organisation. Bonjour à tous et à toutes, bonjour, écoutez, merci pour cette fidélité, parce qu'il y en a qui sont là depuis la première année, merci pour leur première participation aussi à vous tous, on a dépassé les 2000 participants sur la totalité de la journée, on est vraiment ravis de voir ce marathon grandir dans ce beau territoire de la Provence Verte et de notre département du Var. Je vous souhaite une belle course, prenez du plaisir. Si à un moment vous arrivez plus à respirer, n'hésitez pas à ralentir. Quand ça monte des toutes petites foulées, amusez-vous, éclatez-vous et je vous attends à l'arrivée. 4, 3, 2, 1, go! Et on monte le son, applaudissements s'il vous plaît, ça y est, ils partent! Ah, il est là. Salut Pascal. Salut. Ah bonjour. Allez, allez. Allez, bravo. Sophie et Véro, les Serfils. Et coucou Pascal. Alors c'est quoi votre rôle là? On est les gardiennes de la sécurité de la course. Sur la fin de la course, on libère les jalonneurs au fur et à mesure, parce que derrière nous, il n'y a plus de coureurs, et on libère bien entendu les bénévoles aussi qui sont en ravitaillement. Et vous encouragez les derniers? On encourage les derniers, on les aide à finir. Allez, voilà. Voilà, merci ça. À vous. Vous marchez pour Tom, un petit garçon autiste. Ah, ça c'est super. C'est une belle motivation là.
Oui. Ah oui, vraiment. Indéniablement. Vous courez entre amis? Même pas. Non, on se découvre. Non, vous vous découvrez? Je vous vois papoter, je me dis. C'est ça. Ils doivent se connaître, mais hein. Absolument pas. Non, c'est qu'on est à l'aise respiratoirement parlant. Donc la course à pied, c'est aussi des rencontres, hein. C'est beau. Voilà, c'est exactement. Ça. Bon, ouais, ce soir, l'apéro tous ensemble. Ouais. C'est bien, enfin, ouais. À 11h si vous arrivez vite, hein. 11h30, allez. Hein. Voilà. Il y a la caméra. Yes. On va sur la télé. Vous êtes célèbres, ça y est. Enfin, la célébrité. Fais des photos souvenirs. Non, c'est vidéo souvenir. Ah, ben voilà, bon, c'est film, alors. Oh là, eux, ils incitent à l'alcool, hein. Les beaux jolets. Oh là là. Ah, mais elle est même là. Alors, dis-moi un peu. Bonjour. Une explication, là, sur votre affiche. Ben, on est... Beaujolais. On vient du Beaujolais. Et on est beau. On est... beau, ah. Jolais. Et vous buvez? Oui, du mais... Du Beaujolais. Pas quand on court. On est tous natifs de Villefranche. Et on va retrouver mon frère et ma femme à Corrèze. D'accord. Et à votre santé. Tout se passe bien? Parfait. Ah, derrière ça. Là ça parle derrière. Si, hein. Non, j'ai pas regardé aussi. Sur certaines courses. Des vraies pipelettes, hein? Ouais. Ben ouais, il faut qu'on discute un peu quand même. Voilà, ça passe plus vite, hein, les kilomètres. Puis ça permet de se rencontrer. Et ouais. Ah, vous connaissez pas non plus? Non, non. Que des rencontres, hein, sur ce marathon. Hein. Voilà. On a senti une affinité entre Villard et Grabataire. Ouais. Je rejoins Lolo tout à l'heure au village là. Et donc on aura déjà fait 8 km. Pour le run and bike. Pour le run and bike. Ça c'est top. Hein. Donc c'est les gazettes du TA. Le binôme du jour. Ça c'est sympa là. Ouais, c'est sympa. On aurait bien un petit selfie mais je pense que c'est pas le moment de s'arrêter là. ANH, avec nos héros. Alors, une explication. Hein. C'est une course que j'ai fait avec des parcours d'obstacles. D'accord, ok. Donc c'est pas... voilà, c'est pas, y a pas de signification précise. Quoi. À nos héros. Voilà. C'est une course qui a été organisée en hommage aux militaires. Ah, voilà. Qui sont morts au combat. Pas trop chaud avec le casque? Hein? Non, 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 écoute, ça m'évite de faire des manipulations pour rien lorsque je vais retrouver mon partenaire. Ouais. Un petit saut ou pas, là, tous ensemble, là, vous vous sentez? Allez. Allez, attends, à 3. 1, attends, à 3. 1, 2, 3. Allez là, allez, je vous le fais plus loin. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Les Chronosports, ils sont là. Ah, coucou. Alors Bruno, t'as récupéré ta femme, Aude. J'ai récupéré ma femme, oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le principe du run and bike pour ceux qui connaissent pas là? Alors le principe du run and bike, c'est un départ logiquement en commun, mais là c'est un premier 8 km pour le premier participant. Et ensuite c'est changé en fonction de stratégie de course ou alors changer en fonction du bon vouloir. Donc nous aujourd'hui on va faire des changements au feeling en fonction de la sensation de fatigue et on va voir ce que ça donne. D'accord, et le but donc c'est d'arriver ensemble à la ligne d'arrivée. Voilà, le but c'est de franchir la ligne ensemble et surtout prendre du plaisir et d'observer le paysage. C'est une façon de découvrir un marathon différemment. Qui est la belle? Qui est la bête? Déjà on la voit la bête là. Pouah, la musculature là. Hulk. Il va plus vite que la belle à vélo. Ouais, ouais. Un coucou à Elio.
Coucou à Tia. Le sourire quand c'est le début. C'est tes enfants? Ouais. Alors on a aussi des binômes femmes, les girl power. Oh là là. Oui. Trop facile. Ah non, c'est facile hein. Mais on donne tout. Alors Céline, toi tu fais le relais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a combien de relais sur le marathon? 5. C'est pour l'entreprise. Ah, donc un relais entreprise. entre collègues. C'est ça, entre collègues. Ah, ça c'est bien aussi. Hein. Donc toi, t'as choisi le tronçon 2. C'est parce qu'il est plus facile ou... C'est ça, parce que je suis la moins habituée. Alors si tu me fais parler, ça craint. Oh zut. Bon, t'auras une excuse au moins sur le chrono. Ouais. Allez, bonne course. Allez, bon courage. Salut. À plus. Oh là, elle passe pas. Non, c'est pas mon vélo. Auto-finish. Yeah. Et les bénévoles, ils sont là. Oui, on est là. Avec le sourire. Aux petits soins pour les coureurs. Avec les vélos, on va aller avant le filme les jolis sourires d'abord. Mais le sourire il est d'ici. On fait voir les vôtres. Ah ils sont beaux hein. On est bien là. Okay. Putain mais il y a deux vélos qui me gênent devant. Mais ouais. Ça va, mais ouais, je vais te suivre, attends. Ah non, je vais suivre après, vas-y. J'ai retrouvé ma binôme. Elles sont là. Voilà. Ça y est, t'as retrouvé... Je l'ai retrouvé. Ton binôme. Les gazelles du TA. Ouais, t'as vu. Profitez du paysage, hein. Ouais, on profite. Bonjour. Ça va bien? Et ça va super. Ah, t'es bonne la pizza hier? Nickel. Tu la ressens là? Moi je cours pas donc c'est bon ça. Donc après les coureurs là ils vont sur Carcès. Yes. Et ils auront fait l'équivalent d'un semi-marathon. C'est ça. Bon là ça a l'air d'aller hein, pour l'instant. C'est plus dur à cette affaire. Nous, on connaît pas ça se voit tant que ça que j'ai l'air bien. Transpire un peu, hein. Commence à faire chaud. Donc on prend le temps au ravito et puis voilà. Ouh, plaisir jusqu'au bout, c'est le principal. Allez, on repart du ravitaillement en direction Carcès. On est à combien de kilomètres? Là, je peux pas attendre de te dire 18,5, je dirais. Okay. Allez, bon courage. Merci bien. Transition. Ça fait du bien de monter sur le vélo. Ah hein. Ouais, ça fait du bien. Allez Nono. Allez Nono. On se sent léger là. Ah, c'est plus facile en courant ou à vélo? En courant. La question con. Bah en courant, voyons. Non, bah, voyons. Surtout arriver à 20 bornes. Ça gère là, ça gère. Bravo. Et dans les montées, il y a l'entraide coureur cycliste. C'est ça qui est bon. Allez. Un petit signe. Merci. Ça va?
ça va, et vous? Le souffle, il est ouais. Comment là? La montée est dure, hein. Allez, bon courage. Merci. Allez, allez, allez. Ça va? C'était le passage de relais, c'est ça? Ça y est, j'en ai fait deux, elle en fait deux. Allez, c'est parti. Super, bravo à toi. Merci. Donc c'est ici qu'avait lieu le départ du semi? Oui, tout à fait. C'est ça. Bon, je vous propose de revivre le départ du semi-marathon. Allez, c'est parti! Allez, retour sur le parcours du marathon de Carcès. Là, c'est beau, hein. C'est pas tombé dans l'eau. Comme vous le constatez, le marathon Var Provence Verte, ce n'est pas que du bitume. Il y a un peu de montée quand même, heureusement. Hein. Il faut bien se reposer. Ah, parce que regarde. Après, hein. Allez. Allez, bon courage. Ah, ici, on a le gang des chapeaux là. Hein, vous êtes nombreux? Oui, très nombreux. Combien? Alors sur le running back, on n'a eu que 4 coupes, mais il y a 7 marathoniens. Je ne sais pas combien de semis. Ouais. On est venu une trentaine de litres. Ah oui. Donc, et c'est quel club? Les Foulées du Passage. D'accord. Bah merci à vous, hein, pour d'être venu en masse comme ça. Avec plaisir, on a le temps avec nous, c'est l'idéal. Allez, bonne course. Merci, vous aussi. Alors Philippe, c'est la première fois que tu viens vers ce lac? Ah, tout à fait, oui. C'est un beau parcours, hein. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Extraordinaire, avec les vignes. J'ai goûté un peu le terroir provençal. Et les gens sont sympas. Ça fait plaisir de ne pas avoir un marathon, comment dirais-je, enfin un grand marathon, où, avec des grandes lignes droites, ce genre de choses. Oui. Là, c'est varié. On traverse des villages qui sont sympathiques, qui sont magnifiques. Carcès, j'ai trouvé ça super beau. Ouais. C'était extraordinaire. Des crampes? Ouais, ça commence. Ça commence? Ouais. Ça commence, on est à combien de kilomètres là? Oh, ben là, on en est au 25e. 25e? Ah oui. Ouais. Allez, encore ouais. Un petit effort, même un gros effort, ça sera dans la boîte. Fait chaud là? Il fait assez chaud. Ah là. Ça va le faire. Allez, il y a de la descente, on repart. Allez, c'est parti. Alors ces deux peluches, ça a une signification ou pas du tout? Ah, c'est pour me sentir moins seul. Voilà, t'es accompagné. Un peu... T'es accompagné tout le parcours. Exactement, quoi. Vous avez tout compris. Allez Karine, elle a les encouragements de la famille. Allez là. Elle est filmée en plus. Bonjour, allez Karine, voilà, hey, t'as tout pour. En plus c'est ton anniversaire. Eh oui. Eh, t'as tout pour te motiver là, à finir. Hein. Allez. Allez, allez.
On va finir. Eh oui. Ouais, Gabine, allez, allez, allez. On finit. Je l'ai filmé tout à l'heure, là. C'est une fusée, hein. 41-69, elle est habituée, hein. Qui aurait cru, hein. Elle transpire pas. Elle est tranquille. Ça va? Ça va, mec. Ça se passe bien pour toi, hein? Pas de crampes, rien? Non, non, ça va. Allez. On est bientôt arrivé. Allez, super. Bah, je te laisse continuer. Hein. Allez, merci. Ah, sois pas fatigué. Dis-moi, pour tous les internautes qui te regardent, est-ce que tu peux leur faire un petit cœur? Super, merci. Là, c'est la souffrance, là, c'est pas sympa. La souffrance? Mais non, c'est plat, c'est plat. Ah oui, c'est plat, ouais. Bah, en fait, c'est mieux quand c'est un peu de la montée. Parce que tu vois, ça soulage un peu le cul. Pardon pour la vidéo. Bon, c'est un faux plat montant, allez, ok. Ouais, voilà. Un coup de mou? Un gros coup de mou. Ça va? Ça va repartir. Ah, ça va. Il faut où il faut, hein. Il reste 10 quoi, il reste 10 km là? Il reste un peu plus 12. 12? Et ça repart. Allez, bon courage. Merci. Changement? Yes. Changement. Alors qui passe sur le vélo là? C'est quoi ton prénom? C'est Johanna. Johanna et? Cassandra. Ah. Voilà, ah, vous partez sur combien de courses à pied en fait? Vous avez fait tous les 2 km. Tous les 2 km, hein? Yes. Allez, super. C'est bientôt arrivé là! Petite montée là! Yes, petite montée! Elle va y arriver, celle-là! Elle va y arriver là! Montée, hein, sans élan! Ouais, ça va le faire! Je filme au cas où! Hein. Ouais, ouais, si jamais il y a une gamelle, jamais, en fait, hein. Ah bah oui, ça! Allez, vas-y, avance! Attention! Ah! J'avais raison! J'avais raison! Bon, bravo quand même! Il fallait essayer! Voilà! Merci. Ça te dirait de faire Titanic là? Tu mets les bras écartés là sur le bord. Allez. C'est, ça te dérange pas si tu joues pas le chrono, hein? Vas-y. Dedans? Ouais. Plus haut? Merci, c'est bon. Il y a un ravitaillement bientôt ou pas? Hein? Tu sais, c'est un ravitaillement là? Oui, normalement il va y en avoir. Hein. Allez, bon courage. Hein. La cote à la fin. Je connais pas le Vince, mais j'espère qu'elle est. J'ai vu Grazi. Je vous la serrez fort. C'est à cette commune qu'a eu lieu le départ du 10 km. Alors je vous propose de revivre en vidéo le départ. Celui qui a créé le marathon Var Provence Verte à la demande de la communauté d'agglomération, qui a été le premier athlète professionnel dans le monde du trail, Samuel Bonodo, et aujourd'hui avec Créa Sport, Sam. C'est c'est plein de courses. Et là maintenant on va parler parce qu'on approche du départ. Je vous demande s'il vous plaît d'écouter le briefing. Chut, s'il vous plaît. Ah, vous pouvez l'applaudir. Oui, oui, oui. Allez, Samuel Bonodo. Merci, merci à vous pour cette première édition du 10 km. On avait fait le marathon pendant 4 ans, on a fait le semi-marathon l'année dernière, il vient de partir de Carcès. Donc dépêchez-vous parce qu'ils arrivent, regardez, ils sont juste là, c'est pas vrai. Et cette année, on rajoute le 10 km, on avait vendredi soir 2024, on a arrêté à 2024 coureurs engagés, on a eu quelques coureurs hier qui se sont rajoutés, quasiment 2050 participants pour la 6e édition, on est ravis.
Retour sur le 42 km et direction l'arrivée. Alors, comment ça se passe ce duo? Très bien. C'est vrai, vous avez trouvé le rythme et tout? Ouais, on est très heureux d'avoir fait le run and bike, super sympa. Le marathon est magnifique. Vraiment, que du plaisir. Le dernier maillon de la chaîne, le dernier relais. Ça va? Ça va, ça va. T'avais hâte de partir? Oui, j'attendais ça avec impatience. Ça, c'est toi qui vas franchir l'arche d'arrivée du coup. C'est ça. Elles te rejoignent ou pas? Oui, 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 il y a du monde à l'arrivée pour encourager. Ça va. Allez, bah beau finish. Merci. Dernier ravitaillement? C'est ça, tout à fait. Et on pense à remercier les bénévoles. Ah, merci, merci encore. Parce que vous êtes nombreux. Hein. On a dansé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour mettre du baume au cœur. Et en plus, allez, il bronze. En plus, on bronze. On nous renvoie de où? Alors, ton expérience en tant que bénévole? Bah, on se régale. C'est vrai? Tu reviens, t'es là chaque année ou c'est la première fois? À ce poste-là, c'est la deuxième fois. Et puis, ça permet de donner ce qu'on a reçu quand on est coureur. Donc, c'est chouette. Voilà, on se régale et puis tout le monde est sympa. Donc, c'est un plaisir d'aider. Super. Pas trop chaud? On remet? Ça va. Ça va. Allez, bon courage. Merci. Bon courage. La fin est proche. Ouais, là, 3 km, quelque chose comme ça. C'est un peu court par contre comme distance. Ouais. On aurait préféré. On va suggérer à Samuel de faire un 100 km l'année prochaine. Non, non, non. En tout cas, c'était un beau parcours. Belle combinaison là. Ouais. On peut pas vous louper. Hein. Non, hein. C'est fait court, hein, c'est fait court. Quand on n'a pas le niveau, si tu veux, on essaye de comprendre. Au moins, on a la combinaison. Voilà. Alors Julie, sur le semi-marathon, alors c'était comment? C'était bien jusqu'au 15e. Oui. Et j'ai des grosses douleurs aux hanches, aux genoux, un peu partout. Et en fait, j'arrive plus à courir, quoi. Donc, voilà. Tu finis en marchant, c'est pas grave. On va finir, on va passer la ligne, mais on est complètement hors délai, c'est, voilà. Ouais, après c'est le premier, c'est ma première expérience semi, donc voilà, manque encore un peu de préparation. C'est pas grave, là, tu vas arriver à l'arrivée, tu vas franchir l'arche quand même. On va la franchir, voilà. Toujours franchir les arches. Voilà. C'est l'objectif. Premier du marathon, premier du marathon, mesdames et messieurs, avec le premier du marathon. Et oui, il est là, Christophe Seco, la Lariolade. 2h47, on peut avoir un applaudissement pour Christophe, s'il vous plaît. Et là, mesdames et messieurs, Christophe est là, on brille le marathonien, le premier. Voilà, les trois premières féminines master, et après on passera au premier master 0, 1, ainsi de suite. Il me manque. Ça y est, hein. Félicitations. Donnez de l'énergie et il arrive en retard. C'est malaise. Ah, c'est allez, malaise. Roulez. Et rappelle-toi que c'est bon. Et après les adultes, place aux enfants et ça commence maintenant. Attention, 1, 2, 3, ça part de là. Voilà. Là, c'est les 6, 7, 8, 9. Et après, il y aura les 10, 11, 12. C'est bon ? 4, 3, 2, 1.
enfants. Déchaînés. Ils vont plus vite que les adultes. Doucement les gars, doucement. C'est encore long, Motivé. Allez, jusqu'au bout, c'est bien. Tu gardes un peu d'énergie pour sprinter à la fin, hein. Allez, c'est l'arrivée. Il lève les bras et ça y est, il est où le papa, il est trop fier. Merci monsieur Tarico, merci pour la musique, vous êtes très bien. Ok, ça arrive au fur et à mesure. Ils sont où les applaudissements des parents, les encouragements? Regarde, il lève la main, voilà, il m'a fait un signe. Mais qui veut être telle star? Bravo. Les catégories en course enfant 10, 11, 12. Vous allez faire deux tours. Taquet, hein. Allez, bon, hein. Samuel, il prend le temps de coacher aussi. Ouais, en même temps. Bien, ouais, c'est super, bravo. Ah oui. Ils sont où les sourires à l'arrivée? Il y a des photographes, il y a les supporters, les familles. Oula. Bravo. L'événement touche à sa fin. J'espère que ce reportage vous aura plu. Quant à nous, nous rejoignons les coureurs pour faire la fête à la soirée de clôture. Bon, revenez. Avec la fumée, je ne vois plus. J'ai l'impression qu'ils sont tous partis.